Hey guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un petit haul, parce que j'ai l'impression que ça fait un moment quand même que j'en avais pas fait. Et je vous avoue que c'est un réel plaisir pour moi de faire des petits hauls. Tout d'abord parce que je trouve ça super cool forcément de recevoir des vêtements, et de deux parce que j'ai bien l'impression que vous kiffez ça. Donc écoutez, c'est parti. Today c'est un haul Zafool. Je n'ai jamais encore commandé sur ce site, mais écoutez, on va tester la qualité. Est-ce que ça taille bien, est-ce que les matières sont cool, etc, etc. J'ai un petit code promo pour vous que je vous mets juste ici, que Zafool m'a donné pour vous faire kiffer. Et c'est parti. Alors j'ai de grosses attentes sur cet article les gars. J'ai pris un petit jean blanc assez large, couleur crème, du S. J'aurais peut-être dû prendre un XS, je ne sais pas. Écoutez, je vais l'essayer tout de suite et vous dire ce que j'en pense, les amis. On va baisser tout ça, comme ça vous verrez mieux. Il y a un truc sur ce jean, les gars, c'est inédit. Je n'avais jamais vu ça. Il n'y a pas de trou. Le trou n'est pas fait. Là, j'ai le bouton, mais je ne peux pas le rentrer dans le trou. Je pense que je vais devoir m'armer de mes petites mains de couturière et faire moi-même ce petit trou. Par ça, honnêtement, la coupe, elle est très bien. Non, en fait, non, ça ne va pas. Non, je n'avais pas vu derrière, mais il est beaucoup trop grand pour moi. Là, vous voyez un entier. C'est vraiment très mignon. Simplement, au niveau de la taille, ben, franchement, ça va pas du tout, quoi. Sauf que je pense que la taille en dessous, j'aurais risqué d'être un peu serrée au niveau des fesses et des cuisses. Je suis très déçue. Franchement, j'ai dû grave les boules parce que je le trouvais super sympa ce modèle. Premier article, ça prend un next quoi. Passons au prochain article. Ma foi, continuons dans la catégorie des jeans. Allons voir si celui-ci est mieux. Ça m'a l'air encore une fois trop grand, mais c'est pas grave. Ah, déjà nous avons le trou, c'est déjà un bon début. Celui-ci est un peu déchiré comme ça. Franchement, je le trouvais super sympa sur la nana. Pareil, je l'ai pris en S, mais je suis quasiment certaine que ça va être trop grand. Mais écoutez, on va essayer. Hein. Donc, c'est parti les amis, essayons ça. Honnêtement, je le trouve super sympa. Vraiment, il est très très cool. Néanmoins, il y a toujours le même problème hein, de la taille. Mais attendez, je vais chercher une ceinture, je vais voir ce que ça donne. Il me faudrait encore une ceinture plus serrée. Hop. Bon, voilà, voilà. Hein, franchement, je suis très déçue de leur jean. Pour être honnête, ben, je vous recommande pas du tout de prendre les jeans sur leur site. En fait, ils vont bien au niveau des fesses et au niveau de... la vérité, je ne sais même pas quoi vous dire dessus. Allez, prochain article. Allez, on croise les doigts pour que cette fois, ça se passe bien. Ah, un maillot. Enfin, un joli maillot. Va falloir juste que je m'occupe de défaire tout ça. Ici, nous avons un petit maillot côtelé bleu, comme ça, la couleur juste... incroyable. Et le bas est comme ceci. Pareil, il y a des petits lacets comme ça en corde. Donc écoutez les gars, on va essayer tout de suite. Honnêtement, gros coup de cœur sur ce maillot. Je le trouve magnifique. Il est vraiment trop 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 beau. Genre les petites cordes comme ça, genre c'est tellement sexy. Je trouve qu'il met vachement la poitrine en valeur. Moi qui n'ai pas une très grosse poitrine, enfin ça va mais c'est pas énorme, bah je trouve que ça me fait quand même de belles loulas, je crois, le dire. Et derrière pareil, très très joli. Je pense que ça y est, il fait partie de mes maillots préférés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Allez, prochain article, on va vous remonter. On va faire que ça pendant toute la vidéo. Vous baissez, vous remontez. On passe au deuxième sac. Ah bah parfait. Un truc pour les maillots, c'est nickel. Une summer vibes dans la commande, vous voyez. C'est un genre de petit filet que vous mettez autour de la taille, genre vous voyez quand vous sortez de l'eau en club de plage. Alors je vais descendre encore une fois. Alors, en gros, vous faites comme ça. Et là, vous faites le petit nœud. C'est grave stylé, non? Franchement, c'est super sympa. Ben moi, j'aime beaucoup. Juste, c'est dommage qu'il se... Ah mais il est pas à l'endroit, il est à l'envers. On va y arriver, Estelle. Tu sors de l'eau, tu mets ton petit truc, c'est très ambiance bohème. Je valide largement ce petit filet de pêche pour sortir de l'eau. Prochain article. J'avais commandé d'autres trucs pour la plage, donc tant qu'à faire. Ça, je pense que c'est très cutie. C'est un pantalon pareil quand vous sortez de l'eau. Et celui-là, je pense que clairement, il va être incroyablement beau. Vous voyez, la maille est vachement... transparente comme ça. Oh putain, mais celui-là il est serré. Hein. Comment vous dire que c'est très joli, mais en fait c'est 15 fois trop serré. Didier, tu fais couler l'eau? Oui. Ok. Parce qu'en fait, ça, tu sais, ça fait la... du bruit. Ouais, tu m'avais l'air en dessous? Non. Même pas? Non, non.
petit verdict sur ce pantalon, les amis. Clairement, si vous voulez rentrer dedans parce que c'est une taille unique, perdez un os et je pense que ça ira. Il est 10 fois trop serré ici, ça fait mal, c'est désagréable. Franchement, il est joli, hein, je vais vous montrer. Il est sympa, mais je suis beaucoup trop serrée dedans. Prochain article. Allez, Estelle, on y prend. On va essayer des maillots, on va se remonter un peu le moral. Bon, on va essayer ça. Alors. Ah oui, non mais alors là, ça, c'est à ne peut pas aller. C'est un petit top côtelé avec, bon, vous savez, c'est la grande mode, hein. Les deux fils comme ça qui s'attachent. Donc j'en avais commandé un comme ça sur Shein qui était quand même grave mignon. Vous voyez un petit peu la matière. Tadam ! Petit haut, très très sympa. Je trouve très mignon pour aller à la mer quand même parce que bah, c'est quand même très dénudé tout ça, on voit pas mal ce qui se passe là-dessous. Vous mettez un petit maillot en dessous et puis ça fait l'affaire, hein, honnêtement. Donc je valide ce petit haut. Alléluia. Je sais même plus ce que j'ai commandé. Ah, ça c'était joli ça. Petit haut comme ceci, ça c'est pareil, c'est grave la mode je trouve, franchement j'aime beaucoup. Avec, ben voilà, ça fait comme l'armature de la poitrine. Donc franchement, cette petite couleur est à tomber. Let's go essayer. Là, je commence à saturer, les gars. Ça va pas du tout. C'est trop grand. C'est trop grand. Ça baille. Je veux pas faire ça, parce que sinon, vous allez tout voir. Mais franchement, ça baille. J'espère que les prochains articles ils vont être mieux, parce que là, je suis dépitée. Mais je l'ai pris en S, en plus. Prochain article. Qu'est-ce que c'est ? Petit maillot de la même couleur, quasiment, comme ceci. Donc devant, j'en avais jamais essayé des comme ça. Je trouve que c'est super mignon. Pour le bas, très mince aussi, très classique. Je vais essayer ça de suite en espérant que ça aille. Et puis, on verra tout ça ensemble. Estelle, garde le courage. Ne craque pas, surtout. Alors, ce maillot, au premier abord, ça peut aller. Mais non, ça ne va pas. La bretelle, en fait, elle est mal attachée. Ça fait que se barrer, donc... Ça commence à être lourd. Et devant, alors clairement, là, on est à 1 mm des tétés, quoi. Genre, on voit tout bientôt. Non, tout simplement, je valide pas. Et pour vous montrer le bas... Bon, le bas, ça va. Allez, on va passer au prochain article. D'habitude, mes hauls sont super. Allez voir les autres. Ils sont vraiment cool. Mais là... On y croit, il nous reste encore deux maillots à essayer, les amis. En plus, celui-là, il est super mince. C'est un petit maillot, couleur lilas. Je n'ai pas de cette couleur, donc je suis très contente. Vous avez les bretelles comme ça, et derrière, c'est relié. Très mignon, mais je ne m'emballe pas trop, hein. On ne sait jamais. J'adore les maillots avec les anses comme ça. En plus, là, on peut les régler. On croise les doigts, priez pour moi. Tadam ! On commence à rentrer sur une bonne voie, les amis. Bon, il est très cute. Un peu trop petit au niveau de la poitrine. La limite est presque franchie. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas de maillot comme ça derrière, donc franchement, j'aime beaucoup. J'aime bien cette forme de bikini. Il est plutôt sympa. Mais sinon, je valide ce petit maillot. Allez, les gars, on est sur une bonne lancée. Il nous ne reste plus qu'un seul maillot. On va y arriver. Pour les filles qui sont pas mal sur Instagram, vous allez certainement reconnaître ce maillot, il va vous rappeler quelque chose. Il s'agit tout simplement d'un dupe des maillots, du maillot des sœurs Tanto. Je le trouvais vraiment très très sympa, sauf que bah, il coûte 80 balles. Et j'ai vu celui-ci que j'ai absolument voulu tester, honnêtement il est très joli. Ils ont vraiment fait pareil, genre c'est comme ça et derrière c'est comme ceci. Enfin un maillot qui me va bien, les gars. Vous voyez un peu les détails derrière. Il est pas trop petit cette fois, alors que pareil j'ai pris un S. Au niveau de la poitrine, vous pouvez bien l'ajuster. Il y a le petit détail ici que je trouve mignon. Derrière, c'est comme ça. Je valide, les gars, ce dernier maillot de bain. Je me recoiffe parce que je sue comme un cochon. Si je dois faire un petit débrief de cet essayage, ça foule. Au niveau des top flops, clairement, je vous conseille de vous tourner vers les maillots. C'est un de mes coups de cœur. Il y a eu le premier maillot que j'ai essayé. Clairement, c'est mon préféré. Je le trouve super beau. Celui-ci... J'adore. J'aime aussi beaucoup le lilas, même s'il est un petit peu petit au niveau du haut de maillot, malheureusement. Le bleu que j'ai essayé entre-temps, no way, ça ne va pas. Au niveau des vêtements, le petit top bleu avec les petits nœuds, très chou également. Le petit bas de plage, vous savez que vous nouez, j'aime beaucoup. Par contre, les jeans, fuyez les jeans.
ça ne va pas du tout. Le pantalon que j'ai essayé pour la plage, clairement, je vous ai dit, c'est une taille unique et il est 15 fois trop petit. Et ma foi, je crois que c'est tout, les amis. J'espère de tout cœur que ce petit haul vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels articles vous avez aimés, que peut-être moi je n'ai pas aimé. Puis je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo.